Nous sommes toujours en vie. On est en plein milieu de la nuit. Ah là 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 là. Nous sommes toujours en vie. On ressent 1 degré à l'intérieur. Je sais pas si on va peut-être... On va peut-être pas partir maintenant. Enfin bref. Donc, la dernière fois, on s'était fait attaquer. Bon, on a récupéré pas mal de vie, ça va. La dernière fois, on s'était fait attaquer et on a perdu paix à son âme. On a perdu le cache-oreille. Ah, il a fait quelques jours avec nous, mais il a subi l'horreur d'être déchiqueté par un loup. Enfin, bref, c'est fait, c'est fait. Donc, nous avons... Donc, nous sommes là. Alors, nous sommes... Et feu d'alarme ici. Oui, c'est ça. On est là. Donc nous sommes ici. Donc nous sommes sur la vallée de la rivière Calme. Une zone vraiment chiante. Vraiment honnêtement chiante en fait pour se balader parce qu'il fait quand même très froid ici. Mais après il y a beaucoup de champignons, de trucs à récupérer. Il y a des massettes et tout ça. Beaucoup de loups. Beaucoup de loups comme on avait vu. Et il y a des grottes. Il y a un système de grottes. Genre voilà, les grottes de glace, il y a un réseau de grottes de glace avec plusieurs sorties en fait un peu partout dans la map qui est très grand et il y a des loups à l'intérieur, ce qui est plutôt assez intéressant, plutôt fun, enfin pour nous quoi, assez fun. Et là c'est pour revenir vers Milton. Donc la dernière fois on s'était fait attaquer par un loup, on s'est fait choper par le loup, c'est pas super bien passé. Et résultat des courses, c'est qu'on a donc perdu, paix à son âme encore une fois, le cache-oreille, mais nos vêtements en ont pris un peu un coup. Donc on a le chapka qui est un peu abîmé, nous avons un pantalon, les moufles, les bottes, et après ça va. Et après ça va, donc on a quand même pas mal de trucs à réparer, donc 1, 2, 3, 4 à la limite, 4 choses à réparer, donc ça va être, il faut le faire, parce que bon, bien sûr, évidemment, vous le savez, quand les vêtements se détériorent, ils protègent moins du froid et tout ça. Et surtout, c'est qu'on a trouvé des objets, donc à cet endroit-là, on a trouvé des objets, qui sont donc le marteau lourd, c'est honnêtement, c'est pas vraiment utile. Je crois qu'on a aussi trouvé une scie, un faitou... un kit de couture, je crois qu'on l'a trouvé ici, je sais plus trop. Et voilà, c'est à peu près tout. Et après on a trouvé bon, du bois, un peu de bois à sécher. Et voilà, mais on a trouvé... Voilà, le problème c'est qu'on a trouvé marteau, ça pèse extrêmement lourd et tout, donc on va devoir partir, honnêtement on va devoir vraiment partir. Et aller plus... Ah ça c'est de l'eau impropre. Ouais, et faut partir quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire, faut juste partir. Donc on va rentrer pour se vider les poches et réparer nos vêtements. Donc voilà, donc on est en pleine nuit, elle est en pleine forme. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on part maintenant? Parce qu'il va sûrement faire extrêmement froid. On va voir. Moins 19. Là, on a du bois et du charbon. Alors, attendez. Alors, on a plusieurs chemins à faire. Alors, nous, on est là. Alors, la grotte... Je crois que la grotte, elle est un peu en arrière, genre sur ce chemin par là. On a aussi une entrée ici. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est... On prend la grotte. Et on se retrouve là. Ouais, mais on va être perdu à l'intérieur. Et en plus, il fait nuit. Non, je dirais qu'on reste à l'extérieur. On va juste marcher. Je crois qu'on était venu... Oui, on était venu à pied jusqu'ici. On va juste marcher le long, comme ça. On va pas prendre cette corde, par contre. On va essayer de continuer vers là. Parce que si vous vous rappelez, quand on a commencé l'épisode précédent, quand on est arrivé là, donc là c'est vers Milton, si on avait fait ça en fait sur le chemin. On est passé par là, et là on était en bord de précipice, donc c'est pour ça qu'on a pu cartographier une belle, belle zone. C'est parce qu'on était en hauteur. Et il y avait une sorte de pont avec un arbre. Donc je vais voir si on peut pas passer par là, et après retomber directement sur le réseau de grottes.
Ou alors on visite un peu. Bon, le problème c'est qu'il fait froid, quoi. C'est un peu chiant. Quoi qu'à la limite, on pourra se réchauffer dans la grotte de glace. Ouais, non, à la limite, on va partir maintenant et on va se réchauffer dans la grotte de glace. Je crois qu'on va faire ça. Je crois qu'on va faire ça. Par contre, on a déjà 46 kilos. Est-ce qu'on prend le bois et tout ça? Je crois pas. Non. Non, non, non. Non, on y va, allez. Ouais, let's go. C'est par là-bas. Alors en théorie, on devrait pas... On va peut-être un peu sprinter. On devrait pas risquer grand-chose. Bon, il y a des lapins. À moins que les lapins nous tuent maintenant, mais... Ça m'étonnerait. On devrait pas risquer grand-chose sur la route du retour. Oh. Ah mais c'est la grotte dont je parlais, je crois, c'est ça? Ah non, ça c'est juste une grotte pour se réchauffer. Est-ce qu'on peut se réchauffer ici? Yes. Ok, très bien. On va prendre... On va... J'arrive pas à voir. Ok, on va prendre le charbon. Ah, il y a du bois aussi. Ah, du coup, je l'ai pas vu cette grotte quand on avançait. Attendez. Ouais, très bien. On va se réchauffer. Voilà. Pas besoin de... besoin de faire un feu ou pas? Non. Non, non, non. On est à combien? On est à 13 degrés. Ok, c'est très bien. Ce qu'on va faire, bah tiens, on va coudre. On va passer notre temps à coudre. Préparer... On va passer un peu de temps, le temps de se réchauffer vite fait. On est au max? Presque au max. Un petit 15 minutes. Faut qu'on boive aussi. Je vais voir si on peut pas attendre avant de boire. Quoique non en fait. Ah ça nous donnerait de la boisson, je crois. Un peu, ouais, un tout petit peu. 15. 0, 0. On va pouvoir partir, on va partir maintenant. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est dormir et attendre hein, que le temps s'améliore. Je voudrais bien aussi dessiner. Oh, il y a du vent. Il y a du vent. On va peut-être attendre qu'il fasse jour, honnêtement. Ouais, on va peut-être attendre qu'il fasse jour. Je vais mettre le lit d'abord dehors, et on... ou à moins qu'on ait autre chose à faire. L'eau impropre, on va pas la boire, c'est très dangereux. On peut lire pendant une heure. Je crois que le temps s'est calmé. Je crois que le temps s'est légèrement calmé.
Mauvaise touche. Allez, on y va, on avance. Ça m'étonne que je l'ai pas marqué sur la map, cette grotte là, en fait. J'ai dû peut-être la voir et j'ai dû avancer, en fait, quoi. Je sais pas. Oh. Comment? On était vraiment obligé de passer par là? On était passé par où? Ah, on était monté. On arrête de claquer les dents. Là. Ouais, on a dû monter et après j'ai dû retomber. Ok, là-bas il y a la grotte. Donc on va vite foncer et aller se réchauffer. On a deux morceaux de viande à faire cuire. Quoi? Bon, je sais pas, j'ai cru entendre quelque chose. On a deux morceaux de viande à faire cuire, on a... carcasse du loup qu'on avait tué. On a pas de plume. On va peut-être essayer de dormir une heure ou deux heures dans la grotte. Donc ça c'est une grotte de glace. Ouais, une grotte de glace, très bien. Ouh la vache. Ah, cette zone elle est pas... Rien que de voir ça là, le tunnel comme ça noir, c'est pas très rassurant quand même. C'est vraiment pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant. Enfin bref. Donc à la limite, c'est vrai que niveau froid, bon, c'est vrai que faut que j'arrête de répéter les mots. À l'extérieur, c'est un peu compliqué pour se déplacer. J'avoue, l'extérieur est compliqué. Par contre, il y a quand même pas mal de grottes. Donc, ça passe. Si on trouve les grottes, ça passe. On se réchauffe, en fait, dans chaque grotte qu'on peut trouver. Mais après, oui, pour se balader, c'est un peu compliqué. C'est quand même un peu compliqué à l'extérieur. On est reparti. Donc là, on retourne chez nous. Hein. On retourne à Milton et tout ça. Oh mon dieu. Mais sans déconner, quoi. Ils veulent pas que je parte, c'est ça? Oui, bon, de toute façon, il va falloir avancer. Hein. De toute façon, on va devoir avancer, hein, parce que sinon on sortira jamais de cet endroit. Et puis, de toute façon, on n'aura pas de genre de meilleur moment, parce que nos vêtements sont abîmés. Donc faut y aller. Allez, champignons.
Ok, alors là c'est nouveau, je crois bien. Je crois bien. Donc ça peut être dangereux. Je vais essayer de me mettre contre la paroi pour bloquer le vent. Même si ça va pas faire grand chose. Elle aime parler. Ok, donc si ma théorie est bonne, je voudrais bien dessiner honnêtement pour... Ah non, me dis pas que c'est bloqué. C'est quoi, c'est bloqué là? Non. Si ma théorie est bonne, si c'est bloqué... Ah, oh, fait chier. Ah mon dieu. 23 minutes. Ok. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ok, donc là... Yeah, c'est bon, on est au début. On est à la... Oh la vache, c'est super haut. Oh. C'est super haut. Je vais d'abord aller voir s'il n'y a pas quelque chose. Oh, je crois qu'il y a des objets en face. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et après, il va falloir descendre. Ah non, c'est pas des objets. Me dis pas con. Non, on peut pas monter là-haut. Non, on peut pas. Par contre, il y a des bois. On va récupérer ça. Oh, il y a encore une grotte. On va aller se réchauffer. Grotte isolée. Ok, parfait. Ah, parfait, parfait, parfait. Oh, attendez, on va... Voilà. Ça, c'est déplacer le charbon manuellement. Oups. Mauvaise touche. Encore une fois. Alors celle-là, on va la noter de grotte. Vu qu'il fait jour, on peut dessiner. Ok, très bien. Fou, la vache. Très très bien. Donc là, on a une grotte isolée, mais elle est en hauteur. Ça, c'est pas mal d'avoir une grotte ici. C'est pas mal. Donc maintenant, il faut trouver un moyen pour descendre et aller dans notre réseau ici. Comme ça, on peut retourner, on peut partir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a récupéré deux érables verts. C'est très bien. On est à 50 kilos. On va manger ça. Parce que ça remet de l'eau. Pas beaucoup, hein, mais ça remet. On est à 50 kilos, ouais. Va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. Va falloir faire quelque chose pour ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de bois. Ah, très bien. Voilà. On a
de l'eau. J'ai envie de la laisser, l'eau. De toute façon, on va pas la boire. Et puis, le moment où on fera de l'eau, c'est qu'on sera chez nous tranquille, en fait. Donc, on n'a pas besoin de l'eau impure ou quoi que ce soit. Je regarde ce qu'on pourrait faire en attendant. 50 minutes. 50 minutes, ça fait beaucoup, non? À la limite, on pourrait dormir une heure. Voilà. C'est pas si mal. Bon, déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'on a cartographié, en fait, un chemin. Oh la vache. Non. Il y a une tempête à l'extérieur. Bah, encore heureux qu'on n'est pas sorti. On a carté... On sait ce qu'il y a là, en fait, ça qui est bien. Donc, on pourrait essayer de trouver un chemin pour directement aller dans la grotte. Ah, il fait très froid. Si j'arrive pas à trouver le chemin, on va attendre dans la grotte. Là, ça m'a l'air en fait très raide. Donc je sais pas si je vais pouvoir faire ce que je fais d'habitude. Donc on va peut-être faire un feu dans la grotte. Je pense là, moi. Je pense là. Ouais, il fait quand même très très froid. Le problème, c'est que... Il fait combien? Moins 49 degrés. Ok, d'accord, c'est bon. On rentre. Pour ça, je vois la barre qui se vide à une vitesse énormissime. Je me suis dit, c'est peut-être un peu abusé, là, non? Alors, on a encore chaud, là. Ok, là, c'est plat. J'aime bien, là. Là, c'est plat. Attends. Ah oui, ça va, on a encore là, on a de la place. Parce que là, on mettrait le lit, par exemple, et là, on met le feu. Genre que ça soit un peu joli, quoi. Très bien. J'étais en train de me dire, on devrait peut-être, pour faire des feux comme ça, on devrait peut-être utiliser le fire steel. Parce que les allumettes, elles servent à allumer les torches. Et je crois qu'on peut pas allumer une torche avec le fire steel, si. J'ai un doute. J'ai un doute, en fait. Faire comme d'hab. Ah, très bien. Bon bah du coup, hein. Voilà, voilà. Bon, on est bloqué là. Ah bah tiens, on va pouvoir faire ça, manger aussi. L'eau, on va la laisser, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va devoir boire. On va devoir boire. Sinon, on va mourir de soif. On va devoir boire ces deux-là, je crois. Avant que ça soit prêt. J'aurais dû... Oui, au final, j'aurais dû faire cette eau, là. J'aurais dû faire cette eau. Voilà. On fait un tout petit peu d'eau, histoire de se... D'éviter de boire les thés, en fait.
Voilà, très bien. Maintenant, les deux trucs sont décalés. C'est pour ça que je voulais pas le faire, parce qu'après, ça décale. L'un est... Genre, c'est de la neige qui fond, l'autre, c'est de l'eau qui boue. Enfin, c'est... Voilà, c'est embêtant. Mais bon, au moins, c'est fait. Ah, on est toujours bloqué là, c'est bien. Ça fait plaisir. Alors, dans les commentaires, j'avais vu une personne qui m'a dit... à un certain niveau de cuisson, on n'a pas besoin d'ouvre-boîte. C'est pas faux. C'est pas faux, il y a écrit, normalement, il y a écrit aucune perte de calories quand vous forcez une conserve, exact. Sauf que, j'ai appris ça, je crois que c'était l'année dernière ou un truc comme ça, elle va forcer les conserves. Et si vous n'avez pas d'ouvre-boîte dans l'inventaire, si ça n'a pas changé et que je dis pas de bêtises, quand vous ouvrez, vous essayez de forcer donc une conserve, elle va utiliser le couteau par défaut. Et ça, c'est un gros problème, en fait. C'est pour ça que je ne prends jamais, je ne mange jamais les conserves, sauf si j'ai un ouvre-boîte dans l'inventaire. C'est parce qu'elle va utiliser le couteau. Et du coup, vous allez perdre des pourcentages sur le couteau. Et ça, c'est beaucoup plus grave que de... que tout, en fait. C'est plus grave que tout. Donc voilà, c'est pour ça que les ouvre-boîtes restent quand même utiles. Si vous mangez quand même des conserves. Sinon, elle va utiliser couteau, hache... je crois. Donc ça, c'est un problème. Mais sinon, oui, par rapport aux calories, on les perd plus. Mais bon, de toute façon, si on arrive à ce stade-là du jeu, honnêtement, les calories, c'est plus vraiment un problème. Mais voilà, j'avais vu ça en commentaire. On a des bonnes stats, on a des bons trucs. Bon. C'est fun d'attendre. C'est vraiment fun. Je sais pas si on devrait utiliser le kit de couture ou pas. Parce que je crois que pour rafistoler ça, on va devoir utiliser le kit de couture aussi. On devrait peut-être garder le kit de couture pour les objets longs en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, ça y va, hein, c'est bien. Le temps là, ça va, il s'en donne à cœur joie le temps là, il est heureux là, oh là. Dame nature là, elle est là, tu sortiras pas de cette zone. Cette zone, c'est ton cimetière, tu ne sortiras pas. Après, on est bien mis, honnêtement, on risque rien là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. J'ai même envie de dormir en fait. On est en pente. Ça fait un peu con d'être en pente en fait. En fait, il faudrait pousser ces bois là. Non, c'est pas grave. Trente minutes. Ah, on peut dormir une heure. Je pense pas que la viande va brûler. Ah, le temps s'est calmé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un peu d'eau? Il
Ah, très bien. Bon, bah ça va. Là, on est sauvé d'affaire pour le moment. On va attendre que ça se finisse et on part. Alors, on va peut-être boire un thé avant de partir pour être chaud. Ah oui, pour la viande, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ça. Parce que la viande, chez nous, on n'en a pas vraiment besoin, donc on va laisser ça comme ça. Ça nous fera un camp ici. Ça nous fera un camp. On va laisser de l'eau aussi. Tout ça pour partir de la zone. Pourtant, on n'est pas loin de, hein, de l'endroit, hein, mais c'est, on met 3 ans quoi pour partir. C'est abusé. Oh, come on. Ah, très bien. Allez, ciao. On met 3 siècles pour partir d'ici. Donc, on a dit qu'on voulait tester par là. Cela, ça a l'air de descendre, plus ou moins. Peut-être pas par là. Ah, ça va nous embêter si on a vraiment aucun endroit pour descendre. C'est super raide. What? C'est quoi ce bordel? Je sais... Non, j'ai pas envie de risquer en fait. Parce que si je m'avance trop, on va être bloqué après sur la pente. Peut-être là, genre comme ça, là. Ouais, je pense que ça passe. Quoique, non, là, on va tomber direct, là. Là, c'est droit, là. Non, là, on va tomber direct, là, en fait. Non, je me suis... Non, ça va. J'ai cru que j'étais bloqué. On retourne du côté du bois, peut-être? De l'arbre? J'avoue que c'est embêtant. Ah, il y a du vent. C'est juste là, allez. J'ai envie de tenter. Je suis pas sûr que ça passe. Oh! C'est bon. C'est bon. Parfait. Fou. Parfait. Ça serait bien qu'on puisse remonter. Honnêtement, il faudrait... Ah, bah... Alors, un mode que je prendrais, moi, par exemple, si vraiment ils font les modes et tout ça, un mode qu'il faudrait rajouter, c'est pouvoir attacher des cordes, en fait, un peu n'importe où. Tant qu'on a le matériel. Genre par exemple, s'il y a un arbre et qu'on a une corde, on peut attacher la corde à l'arbre et genre descendre. Parce que là, on aurait pu par exemple attacher la corde complètement à l'arbre qui fait le pont par exemple.
et juste descendre. Alors par contre, est-ce qu'on va le faire dans le noir? Je sais pas. Je crois qu'on... Je vois rien. Quoique... Ouais, non, non, laisse tomber. Ça passera pas. Ah, on peut le faire avec le Fire Steel, c'est bien ce que je pense. Okay. Laisse tomber. C'est pour ça que je voulais atteindre la grotte directement. Avec la torche. Mais bon, on a mis du temps à trouver un endroit pour descendre. Comme ça, on aurait pu éviter d'utiliser une allumette. Non, enfin, c'est pas grave. On n'avait pas dessiné. On n'avait pas dessiné dans cette grotte-là? On est perdu déjà. Donc oui, je disais, genre imaginons un mode. Tant que vous avez une corde, vous pouvez l'accrocher en fait où vous voulez par exemple. Donc on aurait pu, comme j'ai dit là, l'arbre qui était couché, on s'en est servi comme un pont. On aurait pu faire en sorte que... accrocher une corde à cet arbre-là et descendre en rappel, par exemple. Descendre en rappel et tout ça. Et monter aussi. Et du coup, on aurait un passage. Genre ça, ça serait vraiment bien en mode, je pense. Ça va pas dénaturer le jeu, parce qu'ils font quand même... Il faut une corde, quoi. Mais ça rendrait les choses plus intéressantes, à la limite, je dirais. Plus stratégique, vous voyez, dans le fait de penser. En disant, bah tiens, on va mettre une corde là, comme ça, ça va nous faire un raccourci. Parce qu'au final, les cordes, moi, je les prends quasiment jamais. Je les prends pour... si on est obligé pour passer dans un endroit, mais basta, quoi. Pas plus. Alors que là, ça serait vraiment intéressant de pouvoir mettre sa propre corde où on veut. Plus ou moins où on veut. Encore une fois, il faut un arbre et tout ça, attention. Je dis pas, il faut pas la mettre et la faire tenir dans les airs. Ok. On refera des torches à 100%. C'est pour ça que je la garde allumée, celle-là. Donc, on a ça. Là, on fait voir un peu. What? Voilà, 3. Voilà, très bien. Donc on a ça à faire, on a ça à faire, on a la lampe, on a des boyaux séchés, on a la fourrure de l'ours. Qu'est-ce qu'on a d'autre à laisser ici? Des plumes, on a du tissu. On a du tissu à la maison aussi. Oui, non, non, il y a les maisons de... les maisons de Milton à faire. Alors, on va laisser le marteau là, je crois. On va laisser déjà un truc ici. Bon, on va l'éteindre la torche. Ça me dérange. On va laisser ça là. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on laisse le marteau ici ou on le met à la maison? À la maison, on avait un marteau? Je crois qu'on avait déjà un marteau. On va laisser là le marteau. Donc on a ça qui est en train de sécher. Tiens, on va les mettre là aussi. Histoire de faire un peu de rangement. Qui dépasse, comme ça je les vois. Voilà, très bien. On a tout ça de bois, donc on peut faire plein de fûts de flèches. Et ça, on les fera quand on partira de Milton. Avant de partir de Milton, comme ça on rentrera et on aura directement les fûts de flèches en fait.
Et là, on a ça, ça et ça. Très, très bien. On va les garder là. Est-ce que... Je suis en train de regarder si on n'a pas autre chose à mettre. Je pense pas. Je pense pas. Je crois qu'on peut partir. Alors, je pense qu'on peut partir. Je suis en train de vérifier si vraiment on doit laisser des choses, mais je crois pas. Pourquoi on a ça? Ah oui, c'est parce que j'avais récupéré le bois, j'ai oublié de le déposer. Ce n'est point grave. Je crois qu'on peut partir. On va laisser ça, tout ça ici. Ça va, on est réchauffé. On va laisser tout le bois ici. Donc, comme j'ai dit, on en fera des flèches au moment voulu. De toute façon, on en a encore des flèches. Encore 10 en tout, donc on n'a pas vraiment besoin d'en faire. Est-ce qu'elles sont en bon état? Je crois qu'il y en a une qui est, ouais, il y en a une qui va peut-être casser. Mais sinon, voilà, on est bon. Donc il n'y a pas de problème, on peut encore aller jouer avec, avec les loups et tout ça. Allez, on va rentrer. On peut encore aller jouer avec les loups et les ours et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Ici, on va laisser toute la viande. Donc on rentre. Donc on va, comme j'ai dit, on rentre, on va réparer nos vêtements. On va récupérer du bois sur le chemin. On va réparer nos vêtements. Et après on va... Et après on y retournera. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour réparer nos vêtements. Je pense qu'on va réparer, on va mettre fin à l'épisode. Au final, c'était l'épisode du retour, quoi. Je pensais vraiment pas que ça allait prendre autant de temps. Mais ouais, c'est assez dangereux, en fait, cet endroit. C'est vraiment compliqué pour se balader à l'extérieur. On va essayer de pas trop sprinter. Quoique il fait bientôt nuit. Donc qu'est-ce qu'on a à faire concrètement? On a refaire nos vêtements. Refaire du thé. C'est quoi ça là-bas? C'est une voiture. Ouais, c'est une voiture. Refaire du thé. Bah c'est tout je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Tiens, on a du champignon. Je crois que c'est tout, hein. Il n'y a pas... vider, oui, parce qu'on a deux scies et tout, etc. Mais voilà, en gros, c'est se vider un peu l'inventaire et refaire les vêtements. Et puis après, on est bon pour repartir. On a de la viande un peu partout. On a de la viande là-haut. On a de la viande chez nous. Par contre, les massettes... 5 massettes. Ah oui, j'avais dit qu'il fallait qu'on en récupère. Et pour le tissu, on ira récupérer le tissu dans les maisons. On en a combien? 8. On va en prendre 2. J'essaye toujours d'en avoir 10 sur moi, je sais pas trop pourquoi 10. Mais... Voilà. Alors on avance. Eh ben, c'était dangereux. Cette zone est intéressante. La prochaine fois, on va regarder la carte quand on sera à la maison. Nous, on est parti sur la portion de droite. En fait, dans cette zone-là, dans la nouvelle zone, on ira sur la portion gauche quand on y retournera. Parce qu'on va y retourner, hein, le prochain épisode, on y retourne. Mais c'est juste que là, ça s'est pas... ça s'est un peu mal passé, on va dire. Donc, on replie, on fait un repli. À la limite, si jamais on n'a plus trop de peau, il faudra aller chasser des lapins et des cerfs pour refaire nos vêtements.
Enfin, pour en avoir d'avance, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai qu'au final, avoir des pots d'avance, c'est quand même très très utile. Hein. C'est quand même extrêmement utile. Oui, voilà, on a tout ça, c'est très bien. Ouh, on est rentré, sain et sauf. Yes. Alors. Alors, on a tout ça. Très bien. On a du bois. Ok, très bien. Donc, on a... ça en plus. Et maman, il est là. Il y a quoi? Oh non, potable, oh non, potable. Ok, ça marche. Là, on a des trucs en plus, très bien. Alors, serre, serre. Hop, hop. Ok, fais voir. On est bon. Oui, ça va. Alors, vêtements. Alors déjà, on a ça. Je voudrais bien voir combien ça prend avec un kit de couture. Avec un... non, c'est là, pardon. Sans le kit de couture, en fait, avec un fil et une aiguille. Faut le créer. Fil et une aiguille. Ah, je veux juste voir la différence. Normalement, c'est doublé, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'est à peu près doublé. Genre 25 minutes, là, on passe à 40. Ou non, c'est un peu moins doublé, ça va. Non, ça va, c'est potable. C'est très potable, en fait. Ah, très bien. On va faire ça. Les pantalons risquent d'être un peu longs. 1h25. Et là... 2h, 1h de plus. 2h16. Ok, très bien. Est-ce qu'on a monté de niveau? Non. Est-ce qu'on est proche de monter de niveau déjà? Parce que je pense pas en fait. Raccommodage, non, pas du tout proche. Alors, il y a cette veste, on va la garder. On va la mettre là. Ah, très bien. Je suis en train de vérifier. Question, ça c'est bon. Ah oui. Ah oui, oui, réparer. 1h16. J'aurais pas dû le faire. Non, si, ça va, c'est passé. C'est passé, tout va bien. Faut qu'on prenne de l'eau. Avant que... ouais, bon, j'ai rien dit. J'allais dire avant qu'on ne voie rien, mais c'est bon. On voit plus rien. Mais au moins, je connais les emplacements des choses. Alors... 99, 91, 88, très très bon, très très bon. Ok, très très bon, ça va. Tout est... ok, on est redevenu bon. Point de vue vêtements. On va ranger ça. On a 3, c'est très bien. Celui-là, on va le garder sur nous. Là, on peut faire des torches. Pas. On a déjà des torches de prête. Ok, 2 torches. La scie. La scie, on la met là. L'ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, du coup, on le prend ou pas? Parce que c'est vrai, comme j'ai dit, ça peut être utile. C'est pas extrêmement lourd. On a déjà un ouvre-boîte, donc à la limite, on pourrait le jeter si vraiment ça prend trop de place. Oui, mais on a combustible déjà, on peut faire des torches. Le lard, il est en bonne santé, c'est très bon. Ouais, il faudra cuire des... ah, il y a les moufles, hein, elles sont à 87%, elles ont pas... j'aurais bien voulu qu'elles soient à 90+.
Après, on pourrait faire ça, ces deux trucs-là. Ces deux vêtements-là, pardon. On a des allumettes, on va garder ça en allumettes. On a le livre. On est à 35, 35 kilos, ça va pour y aller. En plus, on a de la, encore de la nourriture sur nous, donc ça va. C'est potable, en fait, pour le poids, c'est vraiment potable. J'ai envie de dire, avant de partir, on fera des thés. Ouais, avant de partir, on fera du thé. On fera du thé. On va peut-être en prendre genre 3 de plus. Oups, pardon. Je crois qu'on en avait mis, oui. Genre 2. Et là, on va en créer. Hein. Voilà, très bien. Donc, on en fera au moins 5 de thé en plus. Comme ça, on partira et on pourra, comme d'habitude, le faire réchauffer, etc. Mais voilà. Bon, on est sauvé. On est sauvé. Tout va bien. Oui, on est redevenu bon. Est-ce que... Non, non, bien sûr, il fait trop noir. C'est ce que je pensais. Je crois qu'on est bon. On peut aller dormir, la tête reposée. Je crois qu'on peut aller dormir. On a de la nourriture et de l'eau sur nous. Oui, non, c'est bon, on va dormir. Ah oui, par contre, c'est le tissu. Le tissu, on en a 3. Je crois pas qu'on ait de tissu... Ouais, alors il faudrait récupérer du tissu. Si je dis pas de bêtises, on avait tout récupéré ici. C'est embêtant. Je voudrais bien en fait récupérer le tissu avant d'aller dormir. Et je voudrais bien les chasser aussi. Honnêtement, je voudrais bien aller récupérer du cerf. On va voir s'il y a des rideaux là, vite fait. Enfin, on va pas voir grand chose, c'est un peu embêtant. Ah, quoi que ça va. Ah, mais c'est vraiment une maison là pour genre la construction. Ouais, non, il n'y a pas de tissu. Quitter la maison. Non, il nous faut une vraie maison en fait. Pas une maisonnette. Genre là. Ah oui, une chose aussi, on m'a dit pour le Polaroid. Il faudrait aller à l'endroit où montre le Polaroid. Genre là où la photo instantanée. Faudrait aller à cet endroit-là. Et faudrait regarder à cet endroit-là, en fait. Faire une recherche à cet endroit-là. Donc nous, c'est là. C'est là. Sauf que bon, nous, on a déjà une grande partie. Je crois qu'on va rien découvrir, mais ça va peut-être découvrir comme ça, peut-être genre là. Mais bon, ça devrait rester noir. Mais il faudrait aller voir cet endroit. Oh mon dieu, y a pas de rideau. Peut-être qu'on peut le faire. Attends, par contre. On va le faire sens inverse. Yeah, ok. Bon, c'est peut-être pas vraiment la meilleure des choses de... d'essayer de trouver des rideaux dans le noir. Peut-être qu'on peut aller dessiner. Ah oui, non, c'est la nuit, on peut pas dessiner. Ah, fait chier. Bon, on le fera la prochaine fois. Bon, la prochaine fois, on a pas mal de... Ah, merde. La prochaine fois, on a pas mal de choses à faire. Allez, on va aller dormir. On va aller dormir parce que je trouve rien. Donc, faut prendre du tissu et faudra aller faire la photo instantanée. Il n'y en a pas des rideaux. Ah, rideau. Vitrine.
Lucio, ok, c'est bon. Voilà. Donc c'était notre aventure pour revenir à la maison qui s'est bien, plus ou moins bien passée. C'était un peu compliqué. Donc avant de partir, il faudra faire le thé, récupérer du tissu et peut-être aller faire la photo instantanée pour voir si, comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait au final. Voilà. On va manger et boire. On va d'abord manger. J'aurais dû prendre d'autres steaks. Et voilà. Et la prochaine fois, donc, on se préparera et on retournera dans la zone. On verra un peu comment ça se passe. Mais encore une fois, je sais pas si c'est... Honnêtement, je crois pas que ça soit très très utile d'aller voir cette zone-là. Encore une fois, je pense qu'on va trouver beaucoup de bois. Ça, d'accord, je suis d'accord. Genre beaucoup de bois pour créer des flèches et des arcs. Mais est-ce que ça va être vraiment utile pour nous? Je pense pas. Je pense pas que ça soit extrêmement utile de le faire. Mais bon, la prochaine fois, on ira sur le côté gauche, comme ça. Genre là, ou on longera par là, ou alors on ira en plein milieu. Je sais qu'on avait vu un loup par ici. Ah oui, c'était avec la corde, je crois, non? Genre, on était sur une bordure là et on avait vu un ours. C'est ou là, l'ours, ou là. Un des deux. Mais ouais, on verra ça. On verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Bonne nuit. Ciao, ciao. Poup.